وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سفيان بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أكشن للبروفيت صلى الله عليه وسلم Il lui a dit, « Kultu ya Rasulallah, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghayraka. » Fajabahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, faqal, « Kul amantu billah thumma staqim. » C'est un hadith authentique rapporté par l'imam muslim. Ce sahabi a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Donne-moi une parole dans l'islam qui me dispenserait d'interroger autre que toi. » Alors, le prophète lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Je crois en Allah. » Puis, soit sur la rectitude ou sur la droiture, l'istiqama. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'istiqama, de cette droiture, de cette rectitude dans de nombreux endroits dans le Coran. De tête, à peu près une trentaine de fois. D'ailleurs, Allah dit tabaraka wa ta'ala, Inna allazina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala est en train de qualifier ces gens justement qui disent notre Seigneur est Allah, puis ils se positionnent sur la rectitude. On va définir ce que la rectitude, inshallah tabaraka wa ta'ala. Cela, les anges descendent sur eux et leur disent n'ayez aucune crainte et ne soyez point affligés et ayez la bonne annonce du paradis qui vous est promis. Nous sommes vos alliés ici-bas et dans l'au-delà et vous aurez tout ce que vous voudrez au paradis. Regarde ce que vous avez fait comme bonnes actions. Donc vous voyez que les gens qui sont sur la rectitude, et c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, ils ont la promesse du paradis. Ici, concernant ce verset coranique, lorsque Allah dit tabaraka wa ta'ala الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Abu Bakr al-Siddiq رضي الله تبارك وتعالى a expliqué l'istiqama الذين استقاموا على التوحيد c'est ceux qui se rectifient et se positionnent sur le tawhid et il a dit dans ces termes وَأَلَّا يَلْتَفِتُوا إِلَى غَيْلِ اللَّهِ et c'est ceux qui ne portent pas leur intérêt à autre qu'Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle istiqamatul qalb, la rectitude du cœur, comme on va le voir, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, il a expliqué ce verset coranique en disant « Lam yarughu rawaghan al-tha'arib » Il ne zigzague pas comme le fait le renard. Naam. Un coup, je suis à droite, un coup, je suis à gauche, un coup, je suis avec toi, un coup, je suis pas avec toi. Il va où il y a son intérêt. Les gens de l'istiqama sont sur la rectitude. Naam, quand bien même ceci leur porterait un préjudice relatif à cette vie d'ici-bas. Naam, ils restent sur la droiture. D'ailleurs. Et l'istiqama, c'est le fait de faire preuve de rectitude et de droiture, mais ceci d'une manière constante. Cette constance dans la rectitude, on le retrouve dans le terme en lui-même, istiqama, le ist ici, l'hamza, sin ou ta, il signifie justement que la personne, elle est sur la droiture, mais elle reste sur la droiture. Elle s'accroche à cette droiture, elle est constante dessus. Ibn Hajar a dit, al-istiqama kinayatun an tamassuki bi amrillahi fi'lan wa tarka. La droiture, c'est le fait et c'est l'attachement à l'ordre d'Allah dans l'accomplissement des actes et dans le délaissement, entre parenthèses, des interdits. C'est l'attachement. Al-tamassuk. Et cette droiture, elle se révèle sur plusieurs choses. Sur le tawhid, avant toute chose. Sur tes actes d'adoration quotidiens. Ils doivent être en conformité, en corrélation avec la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala.
sur al-manhaj, c'est-à-dire la voie que tu empruntes pour cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala, sur le comportement, sur toute chose. Certains savants expliquent l'istiqama, vous allez voir que toutes ces définitions se rejoignent au final. Ils disent que l'istiqama, c'est le fait de respecter tous les engagements. Tous les engagements auxquels tu es lié. Engagement vers Allah, ton engagement vers le prophète, ton engagement vers tes frères, ton engagement vers ta famille, ton engagement vers tes dépôts. Donc, dès lors que tu respecteras tous ces engagements, tu seras sûr à l'istiqama, à la droiture. Il faut savoir une chose, et ça on rentre un petit peu dans la logique des choses. Le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite qui les relie, n'est-ce pas? Le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite qui les relie. Non, c'est le plus court chemin. Et c'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait que le chemin qui mène à lui, il est droit. Non, et c'est le plus court chemin par lequel on puisse arriver à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de lui demander et de lui implorer d'être sur la rectitude. Dans quelle sourate? Dans la Fatiha. Barakallahu fikoum. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ce droit chemin, c'est celui-là. Et les versets qui viennent après dans le Fatiha, ne viennent qu'expliquer en partie ce qu'est ce chemin. Ce n'est pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni de ceux qui sont égarés. Ceux qui ont couru la colère, dans les premiers temps, c'était les Juifs, car ils connaissaient, mais ils n'appliquaient pas. Et ceux qui étaient égarés, les savants s'accordent à dire que c'était les chrétiens, car voulant bien faire, ils ne pouvaient l'atteindre, ce bien, car ils n'étaient pas sur la voie droite. Mais après que le prophète Mohammed soit venu, sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens et les juifs se sont qualifiés par ces deux qualificatifs. Ils étaient en même temps égarés et en même temps ils ont encouru la colère d'Allah. Car le message leur est parvenu. Non. Alors nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, à l'istiqama, dans notre prière. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith, il est important. Saddidu wa qaribu wa'alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. C'est un hadith authentique. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, saddidu, soyez sur le juste. Autrement dit, la rectitude. وقاربوا, ou alors essayez de vous en approcher selon vos capacités. Et sachez qu'aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses simples actes. Alors les compagnons ont dit, Ya Rasulullah, même toi, Ya Rasulullah. Et le prophète l'a dit, même moi, si ce n'est qu'Allah me couvre de sa miséricorde et d'une grâce de sa part. Vous voyez bien que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne rentrera pas au paradis par ses simples actes. Il est impossible pour une personne qui gagne le paradis par ses simples actes. Le paradis, il vaut plus qu'une vie d'adoration. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a décidé que malgré nos faibles actes, la personne gagnera le paradis par sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala, et une grâce de sa part. Alors ce qui est important à noter dans ce hadith, et c'est pour ça que je l'ai ramené ici, c'est le début du hadith. Quand le prophète a dit « Saddidou, as-sadad », c'est exactement l'istiqama. C'est comme si le prophète disait « Istaqimu », soyez sur la rectitude. Alors il est étonnant mes frères, barakallahu fikoum, regarde ce hadith, qu'on est dans une sorte de quiétude, on est apaisé, comme si on nous avait déjà garanti le paradis. Mais d'où vient cette quiétude? D'où vient cette tranquillité, cet apaisement? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cette parole, alors que son cœur était rempli de crainte. D'où vient cette quiétude? Cette quiétude, elle ne vient que des cœurs qui sont endurcis. La yata'atta illa min al-qulub al-qasiya. Et les cœurs les plus éloignés d'Allah, ce sont les cœurs endurcis. Ab'adul qulub anillah al-qalbul qasi. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, wa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Et malheur aux cœurs endurcis au rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc la personne qui se croit à l'abri du châtiment d'Allah, qui est dans une espèce de tranquillité, de torpeur, comme si demain il rentrera au paradis, comme si les portes du paradis lui étaient déjà ouvertes. Celui-là, il doit se remettre en question. À cet effet, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala a dit « Ya laytani kuntu sha'ratan fi jambi abdin mu'min » Malheur à moi, si seulement je pouvais n'être qu'un poil sur le flanc d'un serviteur croyant.
c'est-à-dire en gros ne pas être jugé. Wa Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu lamma tu'ina wa ila baytihi humil, lorsqu'il fut poignardé dans la prière du Fajr par ce khabith Abu Lu'lu'l Majusi, il a été poignardé, puis on l'a ramené chez lui. Et les évanouissements venaient, puis repartaient, puis venaient, puis repartaient. Et Abdullah ibn Omar était à son chevet. Il a pris la tête de son père, il l'a posée sur son giron. Puis lorsque Omar s'est réveillé, il a vu que sa tête était posée sur le giron de son fils. Il a dit « Wayhak, da' khaddi ala al-ard, asa an yara dhulli fayarhamani. » Il a dit « Malheur à toi, pose ma joue par terre, afin qu'Allah voie mon avilissement et qu'il me fasse miséricorde. » Omar ibn Khattab, celui-là même qui avait peur pour lui, qui craignait pour lui l'hypocrisie, la grande hypocrisie. Lorsqu'il est parti voir Hudhayfa ibn al-Yaman, il lui a dit « Nashattuka billah, al zakarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi man zakar. » Je t'enjoins, dis-moi par Allah, est-ce que l'envoyé d'Allah m'a cité parmi ces gens-là, la liste des hypocrites? Omar ibn al-Khattab, comment se fait-il que nous alors, nous soyons dans cette espèce de tranquillité, comme si on avait déjà posé un pied au paradis? Ceci n'est que le fruit et la résultante des cœurs endurcis au rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc l'istiqama, les frères, barakallahu fikoum, c'est un terme qui reprend l'ensemble des composantes de cette religion. Et c'est se placer et se lever devant Allah, tabaraka wa ta'ala, en étant sincère et en respectant ses engagements, comme je l'ai dit. L'istiqama, elle est de trois sortes. الاستقامه لله والاستقامه بالله والاستقامه في الله. الاستقامه لله خالصا لله مخلصا له الدين. الاستقامه لله c'est-à-dire être sur la rectitude pour Allah, sincèrement en recherchant sa face tabaraka wa ta'ala. Sinon elle n'a aucune espèce de valeur. Tout acte, si minime soit-il, qui n'est pas voué pour Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a aucune valeur. وَالِسْتِقَامَةُ بِاللَّهِ مُسْتَعِينًا بِهِ, en cherchant son aide, c'est-à-dire chercher la droiture, mais par l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est comme si on dit إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide pour ces actes d'adoration. Et vous savez tous que sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. الاستقامة بالله والاستقامة في الله الاستقامة في شرعه, dans sa législation, c'est le fait d'être sur la droiture dans l'observance de ses lois religieuses, de ses ordres, de ses interdits. الاستقامة لله والاستقامة بالله والاستقامة في الله. Parmi les choses que tu profiteras de l'istiqama, c'est le karama. Al-Karama. C'est pour ça que les savants disent Al-Istiqamatu hiya al-Karama wal-Karamatu hiya aynu l'Istiqama. Al-Istiqama, la personne lorsqu'elle est sur la droiture et qu'elle accomplit ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui demande de manière parfaite, correcte, alors il atteindra Al-Karama. Al-Karama, c'est quoi? C'est les égards et la considération. La considération auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la considération auprès des anges, et aussi la considération et les égards auprès des gens. Naam, il sera reconnu. Et c'est pour ceci que vous voyez que les grands hommes qui ont foulé la surface de cette terre, comme les prophètes et ceux qui les ont suivis dans la rectitude, jusqu'à maintenant, on évoque leur nom dans le bien. Lorsqu'on dit le prophète, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une karama. C'est un égard, une considération qu'on donne au prophète au regard de ce qu'il a devancé comme acte. De même, les compagnons, nous disons radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Est-ce qu'on dit ça pour n'importe quelle personne? Est-ce qu'on dit ça pour Victor Hugo ou Lamartine? Non. Par contre, les compagnons, les gens vertueux, les gens qu'Allah a cités dans le Coran, comme Luqman, ces gens-là ont une karama. Cette karama n'est le fruit que de l'istiqama, n'est le fruit que de leur rectitude et leur cheminement sur la voie droite. Non, les frères, donc ne pas inverser les valeurs. Toute personne qui cherche les égards et la considération sans être sur la droiture, au final il sera avili.
celui qui est sur l'istiqama, celui-là, alors aura les honneurs et la considération. C'est pour ça que les savants disent Kun sahib al-istiqama, tanal al-karama. Sois sur l'istiqama et tu atteindras là les honneurs et la considération, notamment celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. La chose la plus importante dans l'istiqama, et nous avions fait une allusion à ceci dans le cours dernier, c'est la droiture du cœur. C'est celle-là qui est la principale, c'est celle-là qui doit être mise en avant avant toute chose, pour la raison que j'avais évoquée. C'est-à-dire que si le cœur est mustaqim, ala l'istiqama, tastaqimul jawarih. Les membres aussi seront sur cette droiture, sans que tu n'éprouves aucune difficulté. C'est-à-dire que tes actes d'adoration que tu feras, si ton cœur il est bien, alors seront chez toi comme une seconde nature. Par contre, si ton cœur est mauvais, tu auras du mal et tu te donneras des difficultés à accomplir tes actes d'adoration. La différence, elle se trouve dans le fait que vous voyez que chez les pieux prédécesseurs, et quand on ouvre les livres qui retracent la vie des pieux prédécesseurs, c'est comme si on passe dans un autre monde. Haqiqatan. On voit qu'ils passent leur nuit en prière, qu'ils jeûnent tous les jours, qu'ils lisent le Coran tous les trois jours. Bref, des choses que nous, on n'a pas l'habitude d'entendre ou de faire. Pour quelle raison? Est-ce que ce sont des surhommes? Ou alors ce sont des hommes des Bani Adam? Ils sont comme nous. Sauf que eux, ils ont éduqué leur cœur jusqu'à ce que les actes d'adoration étaient une chose comme une seconde nature, une chose facile pour eux. Sajiya. Nous, on a tendance à vouloir faire les choses, mais en faisant abstraction de la rectitude du cœur. Et au final, on se fatigue vite. Cheikh Ibn Baz, un jour, a été questionné. Il était déjà très vieux et il y avait une personne qui était toujours avec lui, un de ses élèves. Il le voyait courir dans tous les sens. Il était là, il répondait aux questions, il allait à tel endroit. Comme si c'était un jeune de 30 ans, 40 ans. Il a dit, Yachir, ménage-toi, tu n'es plus tout jeune. Et Cheikh Ibn Baz lui a dit cette parole magnifique. Il lui a dit, quand le cœur il agit, il ne se fatigue pas. Quand ce sont les membres du corps qui agissent, ils se fatiguent. Quand tu agis avec ton cœur, tu ne te fatigues pas. Tu peux soulever des montagnes. La première des choses à rectifier, c'est le cœur. Barakallahu fikoum. Les moyens sont multiples et nombreux, Inch'Allah, ce n'est pas le sujet du cours. Mais vous pouvez retrouver ceci dans de nombreux ouvrages ou dans des cours qui ont été dispensés ici et là. Alors pour ceci, je vous ai ramené un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam al-Tirmizi et authentifié par Cheikh al-Albani d'après la version d'Abi Saïd et al-Khudri radiallahu tabaraka wa ta'ala. Écoutez ce hadith. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ida asbaha ibn Adam » فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تكفر اللسان أي تخضع لأمر اللسان وتذل له فقال اللسان للقلب اتق الله فينا وإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. Donc le cœur, donc ici, le prophète a dit, lorsque de bon matin, le fils d'Adam se lève, tous les membres de son corps se soumettent à la langue. Écoutez bien, se soumettent à l'ordre de la langue. Si cette langue-là, elle lui dise, crains Allah, nous concernant, car nous dépendons de toi. Si tu es sur la droiture, alors nous serons comme tels. Et si tu es dévié ou tordu, alors nous serons comme tels. Non. Donc ici, vous voyez bien que les membres du corps dépendent de la langue. Et la langue dépend du cœur. La langue dépend du cœur. Donc ici, regardez bien. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il y a des priorités à respecter dans la rectitude. La rectitude du cœur, hein. Puis ensuite vient juste après la rectitude de la langue. Et le reste suivra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non, les frères? Si on revient au hadith maintenant, le hadith que j'ai cité au début de mon intervention, le hadith de Abi Amr, ou Abi Amrata, comme l'a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi une parole qui me dispenserait d'interroger autre que toi. Et le prophète de lui répondre, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je crois en Allah, puis suis la rectitude. Ici,
on constate une chose, c'est que la foi n'est pas indépendante des actes. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit seulement « crois en Allah », dit « je crois en Allah ». Mais il l'a lié à l'istiqama. Et l'istiqama, bien sûr, reprend des actes et des paroles et des croyances. Donc, ici, c'est une preuve contre le murji'a, entre autres, qui disent que la foi ne se révèle que par la croyance du cœur, et pour certains, la croyance du cœur et la parole de la langue. Mais ils sortent les actes de la définition de la foi. Ici, c'est une preuve comme quoi la foi ou les actes font partie intégrante de la foi. Ça, c'est la première chose qu'on peut citer dans ce hadith. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas comprendre de ce hadith que le fait de dire « Amantu billah, je crois en Allah », ceci, ça ne fait pas partie de l'istiqama. Mais ça fait partie intégrante de l'istiqama. Quand on a deux choses, et ça c'est une règle que vous pouvez retrouver dans le tafsir, entre autres, quand on a deux choses liées, citées dans un même texte, mais une des deux fait partie de l'autre, alors cette chose-là qui fait partie de l'autre, elle n'a été citée que pour être mise en valeur. Comme Allah dit, tabaraka wa ta'ala, concernant les anges, celui qui est ennemi des anges, c'est ça, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. Celui qui porte une animosité ou qui est ennemi d'Allah, des anges, des prophètes et de Jibril ou Mikaïl. Quel est l'intérêt d'avoir réitéré ces deux anges alors que Allah avait déjà cité les anges? C'est pour les mettre en valeur. Pareil, Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant les prophètes, il dit: puis ils accomplissaient les bonnes actions et accomplissaient la prière et s'acquittaient de la zakat. Alors que la prière et la zakat font partie des bonnes actions. Cette particularité a été citée avec cette généralité pour qu'elle soit mise en valeur. C'est exactement la même chose ici. Al-Iman ou Billah, ça reprend tout. Wal-Istiqama, Juz'un min. C'est une des composantes de la foi. Donc le prophète a cité cette istiqama pour qu'elle soit mise en valeur. Et pour que la personne ne soit pas trompée en disant, ou croyant qu'elle soit sauvée juste en disant « je crois en Allah tabaraka wa ta'ala ». La rectitude, elle est nécessaire. La rectitude des actes, des paroles et des croyances. Barakallahu fikoum. Dernière chose aussi que je voulais vous citer. La rectitude, avant tout, c'est la rectitude sur le tawhid. Et la rectitude sur le tawhid, c'est que le cœur connaisse Allah tabaraka wa ta'ala, craigne Allah tabaraka wa ta'ala, vénère Allah tabaraka wa ta'ala, place son entière confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et se détache de tout ce qui ne plaît pas à Allah. Ça, c'est la rectitude du cœur. Et c'est celle-là dont a fait allusion Abu Bakr al-Siddiq radiallahu tabaraka wa ta'ala lorsqu'il a expliqué le verset coranique. Il a dit: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أي ألا يشرك بالله شيئا وألا يلتفت إلى غيره. C'est ce qu'ils n'associent rien à Allah tabaraka wa ta'ala et ils ne portent pas leur regard à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc barakallahu fikoum les frères, cette istiqama dont nous parlons ici, on pourra en parler des heures, mais ce qui est important, c'est la rectitude du cœur. Barakallahu fikoum. La rectitude du cœur, istaqamatul qalb, wa idha istaqama al-qalbu istaqamatil jawarih. Et lorsque le cœur sera sain et sur la droiture, les membres seront comme tels. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yamunna bil-istiqama wa an yahabana al-karama wa nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana wa yahdiya bina wa ja'alana sababan liman ihtada wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna al-tiba'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.